Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Merci. Et puis merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif puisque je crois que ça fait plusieurs années que vous n'avez pas donné ce type. Euh, ça de... c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors on va essayer aujourd'hui de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre. Et puis c'est l'objectif de l'émission de découvrir un peu des nouvelles facettes de votre personnalité. Alors conformément à la tradition de cette émission, je vais commencer par une citation. Et en fait c'est vous qui me l'avez fait connaître cette citation. Elle est de Jacques Bainville qui vous ressemble par certains aspects, écrivain, essayiste, historien. Alors, journaliste. Journaliste également, bien sûr, pardon. Pourquoi si bien prévoir et pouvoir si médiocrement, j'ai toujours eu le tort de ne pas viser assez haut, excès de fausse modestie, fausse fierté, méfiance exagérée de soi-même, sentiment d'impuissance. Alors, vous aviez utilisé cette citation dans un article du Figaro récemment. Et certains commentateurs se sont dit mais est-ce qu'il ne fait pas allusion à lui-même Est-ce qu'ils avaient raison Ah ben ils avaient raison au-delà même de ce qu'ils pensaient. C'est-à-dire que euh, je n'ai j'ai il faut comprendre le, le contexte. Euh, toutes les semaines je fais un livre, je, je fais une chronique sur un livre dans le Figaro. Et le plus souvent on discute avec euh, l'un des, des rédacteurs en chef de, de, du journal et deux fois sur trois, c'est lui qui me dit bah, Tiens, j'ai repéré tel livre, tu ça, tu ferais une chronique. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Et il me dit C'est une biographie de, de, de Bainville par un, un des spécialistes, Christophe Dickès, qui est vraiment le grand spécialiste vivant de, de Bainville. Et donc, je dis bah, Avec plaisir, en plus, j'ai lu énormément de livres de Bainville, donc je suis, en, en, je suis chez moi, quoi. je suis en terrain de connaissance. Donc, je lis ce livre. Et à la fin de la biographie, je découvre que quelques temps avant sa mort, euh, bainville euh, est très dépité sur son existence et tout et qu'il dit voilà il dit cette phrase-là que je ne connaissais pas que j'ai découverte dans cette biographie. cette biographie alors évidemment euh, vu les, les, les pensées qui m'agitent vu les, les pensées qui agitent aussi beaucoup de gens qui m'en parlent euh, vu l'échéance qui, qui nous attend vu le contexte politique je pense effectivement bainville que j'admire parce que entre autres pas que pour ça. Euh, il a, dans son livre célèbre, Les conséquences politiques de la paix, annoncé dès 1920 tout ce qui allait se passer dans les années 30 et tout ce qui allait nous conduire à la guerre avec Hitler et avec l'Allemagne, etc., et à la défaite finale. Je me dis, évidemment, je ne peux pas ne pas euh, m'identifier à ce, cet homme que j'admire et me dire que moi aussi, modestement, euh, j'ai, depuis 20 ans, euh, euh, annoncé, prophétisé... Euh, euh, en vain, pour l'instant, en disant « Mais vous voyez, voilà ce qui va arriver. » Et j'ai longtemps pensé que cela suffisait. C'est-à-dire, je me suis longtemps dit euh, « Eh bien, c'est déjà... Euh, je suis dans la, dans la bataille idéologique, dans la bataille euh, gramscienne, vous savez, du, du célèbre Gramsci, dans la, la lutte culturelle. Et c'est déjà faire de la politique. » Je continue d'ailleurs de le penser. Mais euh, là, en, en voyant les états d'âme et les regrets euh, de Jacques Bainville, qui dit... Vous ne l'avez pas cité, mais j'aurais dû être dans le bureau de Vergène. Vergène, c'est le grand ministre des Affaires étrangères euh, de, Louis, de, euh, euh, oui, de Louis XVI, et qu'à l'époque de la Troisième République, à l'époque de Bainville, c'est le ministre des Affaires étrangères qui détermine euh, <coughs> la politique étrangère de la France. Effectivement, je ne peux pas, penser, je ne, peux pas ne pas penser euh, à moi dans les mêmes circonstances et à me dire... Oui, alors peut-être euh, qu'il faut passer à, à l'action parce que euh, la, la, la prévision, la prédiction, même la prophétie, ne suffit pas. Mais évidemment, donc je ne pouvais pas ne pas partager euh, cette réflexion. Alors, avant de rentrer dans, dans le vif de cet entretien, j'invite bien sûr ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent à s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est simple, c'est gratuit, c'est un simple clic en bas à droite de la vidéo, mais ça nous aidera beaucoup en augmentant notre audience et donc notre indépendance. Alors si cet entretien vous plaît, eh commentez-le massivement, partagez-le, likez-le, et puis euh, pour nous aider à propager cette vidéo, n'oubliez ben, pas qu'il faut la diffuser au maximum parce que l'algorithme YouTube ne nous est pas, il faut le dire, le plus favorable. Alors, Eric Zemmour, on vous entend souvent fustiger l'immigration parfois même euh, utiliser ce terme de grand remplacement mais vous même est-ce que vous avez vu la France changer je rappelle que vous avez grandi à drancy euh, voilà' quel est oh, bah, écoutez c'est très simple vous savez euh, je peux dire que dans l'espace d'une vie euh, j'ai vu euh, exactement dans les lieux où je suis né où j'ai grandi euh, le changement profond de la France. Je peux en témoigner, c'est-à-dire que je ne suis pas né euh, dans un quartier huppé de Paris euh, qui aurait été moins touché par euh, le changement de population. Non, je suis né à Montreuil en banlieue parisienne, j'ai grandi enfant à Drancy, toujours en banlieue parisienne, puis dans les années 70, mes parents se sont installés rue Doudoville, euh, c'est dans le 18e arrondissement, euh, pas loin de Barbès, euh, au métro Château Rouge. Euh, donc, si vous voulez. Euh, en, en 20 ans là, j'ai vécu exactement dans des quartiers qui ont été, où la population a été complètement renouvelée. Euh, évidemment que moi, quand j'étais enfant, il y avait une population française, française de Choux. Je me souviens que euh, j'avais des voisins à Drancy qui s'appelaient Martin et Minot. C'était mes voisins dans les quartiers populaires de Drancy. Je ne peux pas dire mieux. Euh, les noms parlent tout seuls. Euh, je ne parle même pas d'immigrés italiens ou espagnols qui étaient là aussi. Mais dans mon immeuble, il y avait des familles françaises depuis 1000 ans. Euh, donc, euh, c'était la France des années 60, pas la France de Louis XIV. Euh, donc, ça, euh, il faut bien comprendre ça. Et euh, dans les années 70, je vais dans le 18e arrondissement, donc rue de Deauville, euh, à Métro-Château-Rouge, où là, effectivement, on commence à avoir, il y a des immigrés maghrébins, euh, très peu d'Africains. Euh, là, aujourd'hui, vous retournez. Et à Drancy et à Montreuil, où je suis né, où mes grands-parents, mon grand-père paternel habitait, mes grands-parents paternels habitaient. Et à euh, Château-Rouge, vous avez euh, des, 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 des contrées qui sont complètement africanisées, c'est-à-dire l'Afrique noire et le Maghreb. Je peux vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, euh, il y a, je dirais maintenant, 7-8 ans, je vais déjeuner chez une amie qui habitait. Dans le 18e, pas loin, vous savez, de la fameuse église Saint-Bernard, mm -hmm. où il y avait eu euh, une occupation par les, les sans-papiers, sans comme on disait. Euh, donc, je vais déjeuner chez elle et donc je descends dans la rue d'Oudoville de où j'ai habité. Je vais regarder l'immeuble où j'ai habité. D'ailleurs, dans tous ces endroits dont je vous parle, les immeubles n'ont pas bougé. C'est uniquement la population qui a changé. On a l'impression que le décor est resté le même et que ce n'est plus les mêmes acteurs, quoi, c'est tout. Euh, et je, je passe par la rue Léon, je peux vous dire par la rue Mira, euh, toutes les rues adjacentes. Euh, tous les gens qui connaissent reconnaîtront euh, évidemment ce parcours. Et je vois trois euh, quatre jeunes euh, maghrébins qui sont euh, sur une voiture. Et l'un me reconnaît et me hèle en me disant Hé hey, Zemmour, qu'est-ce que tu fais là T'es pas chez toi ici. Et j'avoue que cette interpellation, bon, je suis passé, j'ai rien, j'ai pas répondu. Euh, c'est, euh, si vous voulez, c'est révélateur de ce qui s'est passé. J'ai grandi là avant qu'ils naissent, euh, et, et pour eux, euh, je ne suis pas chez moi. C'est-à-dire que euh, il y a des territoires aujourd'hui où euh, un, un, un Français qui est né là n'est plus en France. Tout le monde l'assume en vérité, ceux qui le disent, comme ce jeune homme, et ceux qui le nient, puisque en fait ils le savent très bien, mais qu'ils ne veulent pas euh, le reconnaître. Donc, euh, je pense, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Je pense qu'en l'espace d'une vie, parce que ce que je vous raconte là, c'est 40 ans. C'est rien. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, un instant euh, dans l'histoire de l'humanité. C'est rien du tout. Euh, on n'a jamais vu une population euh, changer comme ça, aussi vite et aussi profondément, euh, dans, je pense, dans toute l'histoire de l'humanité. Je, je pèse mes mots. Alors justement, vous avez des prises de position donc, qui, sont, qui sont courageuses, qui sont fortes, mais qui vous désignent souvent comme une cible. Pour vos opposants, vos adversaires. Donc, je pense bien sûr récemment au, rapport, au rappeur Youssoufa, euh, qui a écrit à votre sujet Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Est-ce que vous recevez régulièrement des menaces Et au fond, est-ce que vous vous sentez menacé Est-ce que vous avez peur Vous savez, là, cette, cette, euh, ce verre, si j'ose m'exprimer ainsi, de Youssoufa, puisque c'était dans une chanson de rap, je ne sais pas si on dit un verre, euh, c'est une très vieille histoire. Ça a dix ans. C'était le temps où j'étais chroniqueur chez euh, Les menaces, vous savez, euh, elles sont euh, permanentes, c'est-à-dire que euh, euh, ma vie a changé depuis une dizaine d'années. Euh, moi, j'aime marcher, j'aime prendre le métro, je suis euh, quelqu'un qui, qui aime me retrouver seul pour réfléchir, etc. Et donc, euh, je peux de moins en moins le faire, c'est-à-dire que je suis régulièrement euh, interpellé. Euh, alors soit de façon euh, agréable, chaleureuse, la plupart du temps c'est cela, mais aussi je suis invectivé, insulté, euh, euh, évidemment toujours par les mêmes, c'est-à-dire soit euh, des jeunes gens issus de l'immigration maghrébine ou africaine, soit, de façon plus rare mais qui existe, euh, des, des, des jeunes militants d'extrême de, de, gauche. Je le reconnais à leur allure, à leur, etc. Et en général, euh, je suis soit donc euh, invectivé, soit insulté, soit même euh, molesté. J'ai déjà été frappé euh, dans la rue, dans le métro, etc. Donc euh, vous vous souvenez de, de l'anecdote euh, qui a été euh, répandue partout parce que euh, mon agresseur s'est filmé. C'était la première fois euh, lors du premier confinement, le printemps 2020. Et euh, lorsque le président de la République m'a appelé, mais euh, c'était arrivé euh, très fréquemment avant. Bon, depuis des mois, ça arrivait tout le temps. J'ai même euh, un type qui m'a euh, frappé euh, à, à vélo, euh, qui, qui voilà, euh, qui m'a laissé euh, d'ailleurs euh, pendant deux minutes euh, euh, sur le carreau. Euh, donc, euh, si vous voulez, depuis, euh, j'avais été, euh, j'avais été protégé euh, après les attentats de Charlie. Mmh. Donc, en 2015. Et puis, la préfecture de police m'avait retiré euh, la protection. Et là, depuis, euh, depuis je dirais, euh, octobre 2020, je suis de nouveau sous protection euh, policière. Donc, euh, voilà, c'est ma vie euh, quotidienne. Quoi. Euh, bon, euh, je, je me suis, suis adapté à ça. Alors, on va parler un peu de vous. Vous êtes le fils de, de Lucette, qui était mère au foyer, et de Roger Zemmour, ambulancier, euh, Qu'est-ce qui a fait dans, dans votre éducation grâce à eux que vous êtes devenu Eric Zemmour Quelles valeurs ils vous ont transmis Oh, c'est assez simple. Je dirais euh, d'abord le culte du travail, de l'école. C'était euh, chez ma mère, c'était, euh, je dirais même euh, le sacré au-dessus du sacré. Euh, c'était l'école. Il fallait que je sois toujours premier de la classe. Quand j'étais deuxième, elle me traitait de poulidor et elle me elle me euh, battait froid euh, pendant euh, quelques jours. Euh, donc, euh, moi, j'ai vraiment été élevé comme ça. Elle me faisait réciter. Euh, il fallait que j'apprenne tout par cœur, etc. J'avais de la chance. J'avais une très bonne mémoire. Donc, ça, le, ça la ravissait. Euh, les, les fables de La Fontaine, les leçons, etc. Ça, c'est une première chose. Je dirais euh, les, les traditions familiales. Les réunions familiales. Vous savez, c'est des. Ce sont des familles, euh, on en parlera peut-être, euh, qui venaient d'Algérie, donc des familles ouais. méditerranéennes, des familles qui sont très attachées à la famille, aux traditions, euh, où, 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 où la religion est imprégnée par, en fait, euh, les traditions familiales. Et puis, du côté de mon père, euh, le, je dirais l'amour de, de l'histoire de France, de la littérature. L'admiration est perdue pour les grands écrivains français, pour la langue. Euh, par exemple, mon, mon père euh, admirait le général de Gaulle... Euh, pour la, la première raison, c'était son français admirable. Après, il pouvait discuter de la politique. Mais de toute façon, le général de Gaulle avait un a priori favorable car il parlait un français extraordinaire. Et pour mon père, c'était euh, le signe que ce type était vraiment supérieur. Euh, et puis, évidemment, l'amour la, de la langue, de la littérature. Il vénérait Victor Hugo. Il vénérait, euh, mon père avait un calepin sur lequel il inscrivait des, des, des citations de grands écrivains français. Et puis évidemment l'amour de la France, de l'histoire de France, euh, une espèce de, de de vénération pour 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 l'histoire de France et pour le, le, le la France qui était une espèce de peuple au-dessus de qui, qui donnait le là à l'humanité. Moi j'étais élevé comme ça. Et votre arrière-grand-père peut-être ne parlait pas français encore. Parce mon arrière alors mon mon grand-père des... mon grand-père encore parlait français mais euh, il parlait certainement mieux arabe que français. Euh, il avait une orthographe très folklorique, euh, une syntaxe très approximative. Euh, mon père déjà, euh, on voit que l'école avait fait son travail, parce qu'il avait une orthographe remarquable, euh, il écrivait très bien, euh, ma mère aussi. Euh, vous voyez déjà, euh, ils avaient été éduqués en Algérie. Euh, bon. Et, mais effectivement, mon, mon arrière-grand-père, j'ai connu mon arrière-grand-père maternel. Mais alors, j'ai pas souvenir euh, la langue qu'il parlait. J'étais trop petit. Il est mort euh, centenaire. Euh, j'ai un souvenir qu'il n'avait pas de numéro de sécurité sociale. C'est ça qui m'avait frappé quand j'étais petit. Il n'avait jamais été malade. Euh, et, euh, mais à part ça, il avait, euh, il avait fait la guerre 14. J'avais mes deux, deux arrière-grands-pères qui avaient fait la guerre 14. L'un euh, euh, dans les Dardanelles, parce qu'on envoyait souvent euh, les pieds noirs. Euh, là-bas dans les Dardanelles, et l'autre euh, à Verdun. Et qui avaient survécu l'un et l'autre euh... Absolument, l'un et l'autre avaient survécu. Alors, euh, j'avais aussi un grand-oncle qui avait survécu à Verdun. Mais alors là, lui, euh, il avait abusé de, de, de l'agneaule. La, de, de oui. Euh, parce que alors là, il était vraiment dans les états. Oui. Mais 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 je me souviens très bien. Je me souviens. Mais vous savez, c'est normal. J'ai grandi dans les années 60 quand j'étais enfant. Et moi, quand j'étais enfant, j'étais fou déjà d'histoire, de politique et tout ça. Et donc, ça me passionnait tout ça. Le, à la table familiale, ils racontaient la guerre 14, la guerre 40, la guerre d'Algérie. Euh, ils eu. Une, ils avaient été. Tout, toute cette génération avait plongé dans l'histoire comme peu de générations l'avaient fait, ils avaient tout connu. Et donc évidemment, moi j'étais, j'ouvrais grand mes oreilles, j'adorais rester à la, table, à la table des adultes euh, et pas aller jouer avec les enfants, euh, parce que c'était passionnant. Et vos parents étaient nostalgiques de l'Algérie euh, perdue, de ce, ce, ce paradis mais, abandonné alors là, Je vais vous dire, euh, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de pieds noirs qui vous diraient oui, mais moi je vous dis non. Euh, J'ai vécu euh, au milieu de gens qui n'étaient absolument pas nostalgiques de l'Algérie, qui même... Moi, j'ai entendu mon grand-père dire Je bénis le général de Gaulle euh, de nous avoir obligés, de nous être obligés à partir. Euh, je, je, vous savez, euh, il faut bien comprendre ce qui se passait en Algérie. Euh, la plupart des gens étaient très pauvres. La plupart des pieds noirs étaient très pauvres. En plus, nous, on était dans une situation euh, ambivalente, c'est-à-dire qu'on n'était pas pieds noirs au départ. Vous savez, les pieds noirs, on fait souvent la, la confusion les pieds noirs sont des gens qui ont coloniser l'Algérie, qui sont venus de France. Nous, on était là, on a été colonisé par la France. Euh, on était euh, là, on est des, des, des juifs berbères qui habitaient là euh, depuis depuis mille ans. D'ailleurs, on a été nous-mêmes colonisés par les Arabes. Euh, les, les, euh, donc, euh, si vous voulez, euh, la colonisation française, c'était pas la première colonisation. Loin de là, l'Algérie a toujours été colonisée. D'abord, l'Algérie ne s'appelait pas l'Algérie. Puisque c'est la France qui l'a nommé l'Algérie, euh, c'est la France qui a défini ses frontières, c'est la France qui l'a inventée. Avant, c'était une terre colonisée et dont le colonisateur, qu'il soit euh, ottoman, espagnol, ottoman, euh, arabe, ne s'occupait pas du tout. Il euh, n'y a que la France qui a construit des hôpitaux, des routes, des chemins de fer, euh, des ponts, etc. Euh, et, 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 et si vous voulez, pour moi, euh, la colonisation a été une bénédiction. Euh, je dis toujours ça, hein, je bénis la France de nous avoir colonisés. Et donc quand, vous comprenez, quand euh, 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 le général de Gaulle a, a, a donné l'indépendance à l'Algérie, euh, mais, mais ma famille qui était très très pauvre, mon, mon grand-père paternel était cordonnier, il avait neuf enfants. Euh, ça, ça faisait beaucoup rire mes enfants quand mon père leur racontait euh, euh, qu'il partageait une orange pour quatre. Euh, euh, imaginez la tête de mes enfants euh, <laughs> dans les années 2000. Ils riaient beaucoup de leur grand-père, ils se moquaient beaucoup. Euh, bon, euh, moi j'étais entre les deux, vous voyez, j'ai entendu ces récits-là. Et puis, j'ai connu les débuts de la société de consommation dans les années 60. J'ai jamais vécu cette misère-là, hein, je vous rassure. Hein. Et, et, et mes parents, pour mes parents, ça a été une bénédiction de venir en France. Euh, ils ont pu travailler sérieusement, ils ont pu nourrir leurs enfants, ils ont pu progresser dans la société. Euh, mon père, vous lui dites, euh, vous disiez qu'il était ambulancier, mais il avait 10 ambulances. Ouais, euh, quand il est commencé jeune, il était préparateur en pharmacie. Puis, euh, comme euh, il ne gagnait pas assez puisqu'il avait deux enfants, il a pris une ambulance, il a pris deux ambulances, il a eu dix ambulances euh, en, en quelques années. Euh, C'était ça la France des années 60 pour quelqu'un, je vous dis, dont le, grand, dont le père euh, n'arrivait pas à faire vivre neuf enfants et qui était cordonnier, euh, modeste. Vous voyez, c'était extraordinaire. Donc je, 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 je comprends, un, qu'ils bénissent la France, et deux, qu'ils n'étaient pas mécontents d'avoir quitté l'Algérie. Euh, vous voyez, euh, ça a été une félicité pour eux. Ils sont arrivés en France, dans une époque extraordinaire, dans un pays magnifique, où ils ont pris toute leur part, on, a laissé, on les a laissés travailler comme ils voulaient, on les a récompensés, où leurs enfants étaient à l'école. Euh, vous savez, euh, pour mon grand-père, quand j'ai eu et j'étais diplômé de, de, de l'Institut d'études politiques, je pense qu'il ne savait pas très bien ce que c'était. Il a, je m'en souviens très bien, puisqu'il est mort quelques mois après, il a euh, euh, descendu pour fêter ça une bouteille de champagne à lui tout seul. Et, et personne n'a pu lui prendre la bouteille de champagne. Euh, pour lui, c'était quelque chose de mythique. C'est ce que j'ai lu dans Camus, vous savez, dans le, 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 le premier homme. C'est le premier homme ou le dernier homme, je ne sais jamais. Après son livre autobiographique qui est sublime d'ailleurs. Euh, moi, j'ai retrouvé tout, exactement, tout ce que j'avais vécu. Exactement la même histoire. L'Algérie, la pauvreté, l'école, euh, la littérature française et euh, la réussite scolaire parce que, euh, que l'école française était extraordinaire et qu'elle permettait à tous les enfants travailleurs et méritants de monter très, très vite. Et, et, et ça, vous imaginez pas, en deux générations, quand on nous dit aujourd'hui, ah bah oui, il faut cinq générations, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, j'en porte témoignage. Livre noir, c'est votre média. Une formule élégante, qui en trois mois, grâce à votre soutien, a diffusé près d'une trentaine de portraits intimes et originaux. Et cela sans autre moyen que notre passion. Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une Web TV. Pourquoi pour être la grande peur des bien pensants, pour continuer notre travail en cas de censure YouTube et pour vous offrir d'autres formats inédits, documentaires, débats, reportages. Alors si vous appréciez Livre Noir, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. Alors j'ai découvert que Zemmour <laughs> En oui. berbère signifiait Olivier. Oui. Est-ce que vous êtes un homme de paix, Eric Zemmour Oui, ça signifie Olivier en berbère, euh, car il y a. Vous savez, c'est un Olivier très particulier. Euh, J'ai un, un, un téléspectateur marocain, quand j'étais chez Ruquier, quand j'étais à On n'est pas couché, qui m'a envoyé une photo de cet Olivier. C'est pas un Olivier comme euh, en Provence, mmh. c'est un olivier particulier hein, qui a une énorme base et qui est gigantesque et qui, le, qui a la particularité de vivre très vieux, euh, centenaire, euh, et, et qui a une autre particularité, je tiens toujours de ça de ce charmant monsieur que je n'ai jamais vu et qui m'avait écrit tout ça, il m'avait dit, les, les femmes vont euh, à cette, devant cet olivier pour raconter leur malheur. Je trouve ça très <laughs> mignon. Et, et donc voilà, c'est ça, Azemmour en, en berbère. Mmh. Et effectivement, je, je suis profondément un homme de paix. Et je le pense vraiment, euh, ce n'est pas par, euh, par antiphrase, mais euh, je suis un homme de paix au sens, évidemment, de la vieille, euh, euh, de la vieille devise si tu veux, la paix prépare la guerre. C'est-à-dire que c'est le pacifisme qui prépare la guerre. Et c'est euh, la défense farouche de son identité, de sa terre, de son pays, de son histoire, qui permet la paix, la paix dans l'honneur. On connaît tous ça. On devrait même plus poser la question. Vous savez, je dis toujours ça. Je comprends, moi, après 14-18, que les Français soient devenus pacifistes, car ils avaient connu la pire boucherie de l'histoire. Et donc on peut comprendre les erreurs qu'ils ont commises euh, dans les années 20, dans les années 30. On peut comprendre tout le courant pacifiste, euh, brillant. On peut même comprendre Céline. Euh, on comprend pourquoi euh, on, on refusait de se battre encore une fois contre les Allemands. On peut comprendre, c'était une erreur, mais on peut, le, on, peut, on peut comprendre cette erreur. Mais aujourd'hui... La, la, les gens qui sont pacifistes, aujourd'hui ce sont les gens qui ne veulent pas voir la réalité, la réalité du grand remplacement, la réalité de ce que j'appelle la colonisation islamique, euh, ceux-là n'ont qu'une excuse, ils n'ont pas l'excuse de 14. Et, et donc effectivement, ces gens-là sont des pacifistes qui confondent la soumission avec la paix. Je pense que c'est moi qui défends le mieux la paix, parce qu'on n'aura pas la paix si on se soumet. Euh, là, au contraire, on aura la guerre. Et on aura une guerre terrible. Et moi, je fais tout pour éviter à nos enfants euh, cette guerre qui, qui s'annonce et qui a déjà commencé. Vous me faites un peu penser à la figure de l'honnête homme du XVIIe, euh, lucide et désespéré, mais euh, toujours avec une espèce d'énergie joyeuse. C'est-à-dire que vous pouvez dire les choses les plus angoissantes, mais avec euh, je ne sais pas comment dire. On, mmh. on, on vous sent pas. Euh, de, vous ne vous sentez pas abattu. Et je me demandais, est-ce qu'il vous arrive d'être triste Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites euh, Je pourrais vous dire la, la fameuse phrase, je crois, de Montesquieu, quoi, qui disait, il n'y a pas une heure de tristesse qu'un livre n'est pas effacé ou, ou dissipé. Euh, j'ai ça, j'ai ce moyen-là. Euh, effectivement, vous avez raison, je suis un, un, un désespéré combatif. C'est-à-dire que, euh, euh, vous savez, c'est la, la, la fameuse phrase de, de Bernanos qui dit ⁇ L'optimisme, c'est une lâcheté, alors que le, 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 pessimisme, euh, le pessimisme surmonté euh, doit être notre comportement. ⁇ Moi, je pense que c'est du pessimisme surmonté. Je suis pessimiste. Je pense effectivement que euh, les lois démographiques sont des lois d'airain et qu'elles s'imposent de plus en plus à nous. Euh, et quil euh, il nous faut absolument réagir, euh, il nous faut absolument résister, sinon nous allons à la catastrophe. Et, et, et je pense que la politique c'est ça. Je pense que la politique c'est euh, pouvoir prédire précisément, ça nous ramène à notre discussion du début sur Bainville, euh, prévoir absolument euh, l'avenir, le tragique de l'avenir pour pouvoir l'éviter. Si on ne, on ne, si on ne veut pas voir, euh, ce qui va nous arriver, et si on ne veut pas voir le tragique de ce qui va nous arriver, eh ben, on, ne, on, on, ne, on ne prévoit pas et, on ne, et on, ne, on ne prend pas les mesures nécessaires pour l'éviter. Et c'est exactement ce qui est en train de nous arriver, c'est exactement là où nous emmène euh, toute la classe politique et, et, tous les, et, et tous nos dirigeants depuis 40 ans. Alors vous êtes de confession juive, est-ce que vous êtes très pratiquant Oula, je, 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 suis, euh, je suis très modérément pratiquant. J'ai gardé, je vous dis, j'ai été élevé comme ça dans les, dans les, dans les traditions. Pour moi, euh, la religion est, est reliée à une tradition familiale. Euh, donc j'aime euh, tout ce qui a trait à la famille, tout ce qui a trait euh, aux retrouvailles familiales. Euh, mais je vous parlais de ma famille tout, tout à l'heure. Vous voyez par exemple mon grand-père. Lui était très pratiquant. Mon grand-père, vraiment, connaissait très bien euh, la Torah, les, les, les enseignements de la loi juive et pratiquait très strictement. Euh, petit à petit, euh, on a édulcoré euh, le, le, la pratique, mais c'est assez logique, je pense que... Moi, ce que je, je, je pense que c'est le, les conséquences de la francisation. C'est-à-dire que si on avance dans l'étude des, des religions, euh, c'est assez simple. Il y a euh, une, la religion juive qui est une orthopraxie. C'est-à-dire que c'est une religion qui repose sur la pratique très stricte de commandements très définis euh, et qui, euh, et qui euh, définissent toute votre vie. Euh, vous devez manger ceci, pas manger cela, faire ceci, faire cela. Il y a 613 commandements. Oui, c'est pas rien. Et moins pour les femmes, je crois. Et il y en a, non, non, c'est pas qu'il y en a moins pour ah, les femmes, non, semblait... non, 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 c'est euh, mm. que simplement les femmes consi sont considérées comme euh, représentantes de, de elles perpétuent la tradition, puisque dans la, la structure traditionnelle familiale, c'est elles qui tiennent la famille. Donc, comme moi, j'ai toujours pensé que euh, la religion juive est d'abord une religion pour préserver euh, la famille. Donc, vous voyez, imaginez le rôle des, euh, absolument décisif et fondamental qu'on alloue aux femmes. Euh, donc, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que c'est que le catholicisme Le catholicisme, le christianisme, c'est justement, on, justement, on part de la base du judaïsme et on, on édulcore et on a et on, 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 on réduit les considérations pratiques pour euh, euh, faire faire euh, euh, mettre le projecteur sur euh, l'amour et sur euh, sur la foi. C'est-à-dire qu'on part de la loi avec un L majuscule, et on va petit à petit vers la foi et l'amour subvertit la loi. C'est une vraie dialectique d'ailleurs très intéressante entre les deux religions euh, qui, qui a donné la modernité. Et je pense que, euh, vous savez, c'est la fameuse réflexion de Saint Paul à qui euh, on, on vient dire est-ce que euh, les nouveaux chrétiens doivent se circoncire et qui dit non, c'est la circoncision du cœur. Pour moi, le christianisme par rapport au judaïsme, c'est ça. Et donc évidemment que quand on est en France, quand on vient en France, euh, j'allais dire, vous allez comprendre, c'est un néologisme évidemment, mais on, on christianise sa pratique religieuse. C'est-à-dire qu'on on, s'arrache à une pratique très stricte et très rigoriste pour atténuer, pour alléger le, le poids de cette pratique. C'est la logique assimilationniste. Ça ne veut pas dire qu'on se renie, ça ne veut pas dire qu'on on, on est apostat, ça ne veut pas dire qu'on renonce à sa religion, ni même qu'on se convertit. On peut se convertir, mais c'est une autre démarche. Mais vous voyez, je pense que c'est la logique de, de, de la France et de, du christianisme. Et, et, et je pense que j'ai vécu tout bêtement euh, ce, ce, cette évolution-là. Et en plus, dans une époque où, euh, euh, contrairement à aujourd'hui, je suis la dernière génération qui a vécu l'assimilation telle qu'on la vivait en France pendant euh, des siècles, en particulier pendant le 19e siècle. Je vous donne un exemple. Dans mon enfance, un juif, même très pratiquant, ne sortait pas avec euh, une calotte sur la tête. D'ailleurs, on disait calotte et non pas passe ça amuse beaucoup mes enfants. Euh, vous voyez, on employait le mot français. Et même mon grand-père, qui était très religieux, mettait une casquette. Il aurait considéré ça comme une, comme une provocation. Euh, inutile euh, d'afficher comme ça euh, sa religion dans l'espace public. C'est comme ça qu'on a été élevé. C'était ça la, la. Comment vous dire euh, Le contexte de, de ce qu'on appelait l'assimilation. C'était davantage lié au respect de, de la laïcité qui était récente et qui avait été imposée dans des conditions assez difficiles ou c'était je veux dire, le respect de l'identité française Ah, mais je vais vous dire que c'est les deux. C'est-à-dire que. Euh, on, on ne veut pas le voir aujourd'hui. Mais. La laïcité avait une règle et il avait un esprit. La règle, on la connaît, c'est la liberté religieuse et la neutralité de l'État. Mais l'esprit, c'est la neutralité des gens, qu'on le veuille ou non. On ne veut plus le voir aujourd'hui. C'est la discrétion, le devoir de discrétion. Dans l'espace public, on ne fait pas État de sa religion. Pour une raison simple que, que tous les démocrates peuvent comprendre le débat rationnel ne peut plus être rationnel si on met Dieu dedans. C'est assez simple à comprendre. Si à partir d'un moment, l'argument ultime, c'est Dieu l'a dit, bah, la discussion est close. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas mettre Dieu dans l'espace public tout bêtement. Et donc, vous avez tout à fait raison. Un, c'est par respect de la laïcité telle qu'elle était comprise à l'époque par tout le monde. Parce qu'il y a eu un travail de déconstruction depuis les années 80 que j'ai bien observé, que j'ai vécu. Parce qu'évidemment, ça s'opposait à ce qu'on m'avait appris dans mon enfance. Euh, tous les, 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 les théoriciens modernes de la laïcité, euh, tous les Baudelot et compagnie, qui nous ont expliqué que la laïcité, ce n'était que la liberté religieuse, euh, c'est faux, c'est faux. Ces gens-là ont, 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 ont éclairé uniquement la, la, le texte. C'est parce que Brillant n'avait pas besoin de le rajouter que c'était il y avait le reste. Bon. Et, et c'était aussi le respect de l'identité française. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que euh, la France euh, était euh, chrétienne et donc euh, d'ailleurs euh, mes parents adoraient euh, la beauté des églises etc et par exemple je vais vous donner pour vous dire jusqu'où on allait au 19e siècle quand on construisait des synagogues vous remarquerez les synagogues sont derrière des façades d'immeubles par pourquoi parce que le paysage devait être uniquement composé d'églises c'était une règle imposée par Napoléon III qui était pourtant au euh, combien philosémite, par la Troisième République, etc. C'est pas une règle euh, vichiste, loin de là. Et, et que les Juifs, évidemment, respectaient à la lettre. Donc c'était ça. Vous voyez, c'est tout un cadre. C'est ça la conception de la laïcité française. C'est au-delà. De euh, l'article de, de, de 1 et l'article 2 de la loi de 1905. En, donc, le premier changement de ce point de vue architectural, c'est peut-être la mosquée de Paris, euh, construite en 1920, Mais qui elle s'assume pleinement Absolument. avec un style oriental. Absolument. Que... Mais vous avez raison. Ce n'est pas le style, oui, c'est le fait de ne le, pas se mettre le... derrière une façade d'immeuble. Ça, c'est très choquant. Et pourquoi l'islam est également une orthopraxie Absolument. Pourquoi l'islam a, a plus de mal aujourd'hui à s'assimiler Est-ce que c'est parce que l'islam a été wahhabitisé euh, dans, dans les années 70-80, ou est-ce que c'est lié à quelque chose d'autre de plus fondamental je, je pense que d'abord euh, le, le, le salafisme, le wahhabisme, c'est le retour à l'islam des origines. Le salaf, ça veut dire ancêtre. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de nous faire croire qu'il euh, y a euh, un islam qui n'était pas le salafisme. Il peut y avoir des musulmans qui ne sont pas salafistes, ça bien sûr, mais euh, l'islam, c'est le salafisme. C'est l'islam des origines. Ça c'est une première chose. Deuxièmement, euh, alors là, vous posez une question historique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que... Euh, le judaïsme a vécu depuis le, le 2000 ans en terre européenne et que il a toujours été une minorité qui a dû euh, composer avec la majorité qui était chrétienne et qui était inspirée de culture grecque d'ailleurs le, judaï le judaïsme lui-même a été fécondé par la culture grecque, c'est la grande rivalité intellectuelle euh, dans l'antiquité romaine entre euh, la philosophie grecque et la religion juive. et c'est d'ailleurs euh, toute la théorie. Je, je, je lis beaucoup des gens comme alan bloom, des gens comme leo strauss, qui vous expliquent très bien tous ces grands intellectuels universitaires américains euh, qui vous expliquent très bien comment euh, l'occident sait euh, le lien, la rencontre entre le judaïsme et euh, la philosophie grecque. Entre la philosophie qui domine la religion, c'est Athènes, et la religion qui domine la philosophie, c'est Jérusalem. Et cette, cette, cette rencontre-là, qui n'est pas sans son affrontement, mais cette rencontre-là donne l'Occident et donne le christianisme. Et Rome dans tout ça. Et, et c'est Rome la synthèse de ça, <laughs> évidemment. Et la Saint Rome, le dire. premier Rome, c'est-à-dire la Rome antique et la Rome chrétienne, évidemment. Et donc euh, on, on voit bien euh, tout ça. Donc l'islam l'islam est un judaïsme qui n'aurait pas, euh, pas accepté d'aller au bout de la fécondation grecque. Vous voyez, euh, il y a le, le formidable livre de Guggenheim là-dessus, euh, le, le, le euh, Mont-Saint-Michel. Merci. Aristote au Mont-Saint-Michel. Euh, 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 Mont Aristote au Mont-Saint-Michel, voilà. merci. Euh, qui explique très bien comment euh, l'islam du Moyen Âge accepte l'héritage grec quand il s'agit de médecine et le refuse quand il s'agit de philosophie. Euh, tout simplement parce que euh, l'islam ne veut pas euh, que la philosophie prenne le pas sur euh, la pratique religieuse. ça c'est et il ne veut pas accepter l'interprétation alors que les juifs qui ont perdu leur terre, qui ont été chassés par les Romains, par Adrien qui a détruit Jérusalem euh, sont obligés selon moi de réinventer une autre religion qui s'accroche uniquement au texte et à l'interprétation du texte. Et donc là alors que vous avez tout à fait raison au départ l'islam, c'est un judaïsme retrouvé après la grande transgression euh, chrétienne de l'incarnation et de l'amour, euh, d'ailleurs c'est ce qu'explique euh, euh, Marcel Gaucher dans son livre Le désenchantement du monde hein. euh, mais avec une différence déjà c'est que 1. il n'y a pas de prosélytisme et deux, il y a le droit de l'interprétation et, et le, la troisième différence c'est que l'islam est chassé d'Occident et, 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 et à part l'Espagne qu'ils vont conquérir et qu'ils vont Colonisé pendant sept siècles, euh, donc là il y a déjà une histoire différente. Et là je peux vous dire moi ce qui s'est passé vraiment euh, en Algérie déjà, c'est avant le salafisme, c'est avant tout ça. En Algérie qu'est-ce qui se passe Et là c'est mon histoire. Les, les, les Français arrivent donc en 1830-1840. Euh, les familles juives mettent leurs enfants à l'école euh, française, y compris les filles, pas les musulmans. En 1870, en 1865, euh, Napoléon III propose aux Juifs et aux musulmans, on ne le dit jamais, euh, un sénatus consulte, c'est comme ça qu'on disait, euh, qui permet à tout individu qui accepte d'abandonner son statut personnel, j'expliquerai ce qu'est le statut personnel, euh, de devenir citoyen français. Juifs et musulmans à égalité. Euh, il y a quelques milliers de Juifs euh, qui le font. Il faut dire qu'ils sont très peu nombreux, les juifs en Algérie déjà, et au quasiment aucun musulman. En 1870, euh, les, les, les juifs d'Algérie euh, obtiennent le décret crémieux qui leur donne la citoyenneté française en échange de l'abandon du statut personnel. Les musulmans ne l'ont pas parce qu'ils le refusent, alors que les juifs d'Algérie l'acceptent. D'ailleurs, certains, et en particulier les rabbins, ne le voulaient pas. Et je vais, je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est euh, la pression d'une de, de, partie des Juifs d'Algérie et aussi des Juifs de France, le Consistoire qui avait été installé par Napoléon, etc. qui les pousse à accepter. Les musulmans refusent. Qu'est-ce que c'est ce statut personnel On est au cœur du sujet. Le statut personnel, c'est le fait des droits traditionnels, euh, c'est le non. fait pour les Juifs comme pour les musulmans, puisque ce sont deux orthopraxies, d'être régentés par leur droit religieux puisque l'islam comme le judaïsme ce sont d'abord une loi en droit, avec un L majuscule en droit civil uniquement c'est ça bien ce, sûr en droit civil cest le mariage l'héritage la vie quoi euh, ce que je vous ai dit donc c'est un droit c'est une loi avec un L majuscule le judaïsme comme l'islam abandonner le statut personnel ça veut dire que la loi avec un L majuscule ne régit plus votre vie de tous les jours, et que vous vous soumettez au code civil français, en l'occurrence napoléonien. C'est ça que les Juifs acceptent, c'est ça que les musulmans refusent. Après la guerre 14, la France va de nouveau le proposer aux musulmans. Ils vont de nouveau refuser. Donc quand on dit aujourd'hui, euh, à la suite de la propagande du FLN et de la propagande de l'extrême-gauche, que les Juifs ont eu un sort privilégié par rapport aux musulmans en Algérie, c'est faux ils ont eu un sort privilégié car ils ont accepté de renoncer à leur statut personnel. Ce n'est pas pour une autre raison. Et donc, après, euh, d'ailleurs, le euh, les fameux accords Bloom-Violette, vous savez, en 1936, là, il y a déjà un renoncement de la République. Parce que le, le rapport Bloom-Violette accordait la, la citoyenneté française aux musulmans d'Algérie, même s'ils ne renonçaient pas à leur statut personnel. Et c'est pour ça que les, les, les pieds noirs ont protesté et ont obtenu l'abolition de, 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 ce, de ce projet de loi euh, français socialiste. C'est ça toute l'histoire qu'on ne raconte jamais. Et donc aujourd'hui, quand vous avez, vous savez, les fameux sondages qui disent, euh, est-ce que vous pensez que la charia est supérieure à la loi de la République, et que une majorité de jeunes musulmans dit oui, les chrétiens, les chrétiens sincères, croient que ça veut dire... Ah oui, la loi naturelle est au-dessus de la loi de la République. Les chrétiens s'identifient à ça. Ils comprennent ça comme ah oui, mais moi aussi je comprends. Après tout, euh, il y a des lois au-dessus de la loi de la République, la loi de la vie, etc. Mais ils se méprennent. Ils pensent comme euh, comme dit euh, 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 Rémi Brague que l'islam est un christianisme pour les Arabes. C'est une naïveté. Il ne s'agit pas de la loi naturelle. La il s'agit de, de la loi au sens où je vous l'ai dit. C'est-à-dire la loi avec un L majuscule, la loi droit, la loi code juridique, la loi code civil. Euh, c'est ça que ça veut dire. Et ça ne veut pas dire du tout la même chose. Euh, et, et là, les, les, les chrétiens se leurrent, ou veulent se leurrer, ou se leurrent par ignorance. Vous voyez euh, Il faut bien comprendre ça. Et, et c'est le vrai problème que pose l'islam aujourd'hui. Que posait le judaïsme Depuis toujours. Qui a été réglé par Napoléon Ier en 1806 C'est-à-dire que Napoléon Ier leur a dit. C'est très simple, on était sous le régime du Concordat, hein. pas pour la, la, la loi de la laïcité. Il leur a dit c'est très simple, vous avez des règles, il faut y renoncer si elles contreviennent à mon code civil. C'est ça la discussion de Napoléon avec le fameux Sanhédrin et les autorités juives. Et il ne leur laisse pas le choix. Et il leur dit. Parce que, euh, si vous voulez, euh, dans le Talmud, il est écrit qu'on euh, peut, par exemple, euh, le, sauver la vie d'un juif, mais pas euh, d'un non-juif parce que c'est le samedi, etc. Et Napoléon leur dit, à partir de maintenant, vos compatriotes non-juifs sont vos frères. Exactement. Et que Paris, c'est Jérusalem. Et le Sanhedrin dit oui. Et on a le même problème aujourd'hui avec l'islam, qui écrit noir sur blanc euh, qu'il euh, y a une triple inégalité en vérité entre les musulmans et les non-musulmans, entre les hommes libres et les esclaves, entre les hommes et les femmes. Donc on met toujours en avant cette inégalité entre les hommes et les femmes qui est évidemment importante, mais sans doute la plus importante, c'est entre les musulmans et les non-musulmans. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas les Français comme leurs frères. En revanche, ils vont considérer les, les, les non-français musulmans comme leurs frères. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans le Coran. Il faut poser cette question aux musulmans français qui sont vos frères Le problème, c'est que s'ils répondent, ce sont les Français non-musulmans. Ils contreviennent au Coran. Alors, qu'est-ce qu'ils vont choisir Je pense qu'ils font les obliger à choisir. C'est toute la, 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 la dialectique, et c'est la dialectique des Juifs. Et les Juifs ont répondu à Napoléon oui. Les Français non-juifs sont nos frères à partir de maintenant. Vous voyez Ça l'air rien, mais c'est fondamental. Qu'est-ce que vous pensez du propos de Patrick Buisson récemment Est-ce que vous préférez une Lolita en string et, ou une femme voilée Est-ce qu'il ne se leurre pas lui aussi à sa manière il est, il est exactement le cœur de ce que je viens de dire. Le cœur. Je ne peux pas faire mieux. Patrick Buisson... Je, je lui réponds parfaitement en nous expliquant ce que je viens de vous expliquer. Je pense qu'il se trompe. Volontairement ou involontairement, il ne comprend pas ce qu'est l'islam. Euh, je répète, l'islam n'est pas un christianisme pour les Arabes. Euh, et la Lolita en string euh, est simplement mal élevée. Euh, et il faut l'éduquer mieux. Euh, il faut lui apprendre les, les règles. C'est à sa mère de lui apprendre les règles, de, 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 de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, euh, de, de, de la réserve, de, de la, euh, voyez, euh, de la bonne éducation. Ça se faisait avant, dans, dans France, naturellement, euh, quelle que soit la classe sociale. Euh, la femme en voile, elle est tout aussi respectable en tant qu'être humain. Euh, mais euh, euh, qu'est-ce que ça signifie la femme voilée Ça signifie, euh, voilà, l'islam s'impose en France. C'est une mosquée ambulante, une femme voilée. Cela signifie, je, la France devient un pays islamique. Et je l'assume, et je l'assume dans la rue. Je, j'islamise euh, votre, votre paysage urbain. C'est ça que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec une Lolita. Et encore une fois, contrairement à ce que croit Buisson, ça n'a rien à voir avec la dignité. Ce, ce n'est pas, ce, ce, ce pas une bonne sœur. Ça n'a rien à voir, vous comprenez. Euh, euh, ça veut dire, je, mon identité musulmane est supérieure à toutes les autres. Ça veut dire, vous, les Français et les Françaises qui n'êtes pas voilées, vous n'êtes pas mes sœurs. Voilà. Et, et ça veut dire, euh, euh, tout simplement, euh, mon, ma loi musulmane s'impose en France. Mais c'est tout à fait légitime puisque, pour le Coran, il y a le monde est partagé en deux. Il y a le Dar el-Islam et le Dar el-Hab. Le Dar el-Hab, ça veut dire le monde de la guerre. Le monde de la guerre, on lui fait la guerre parce qu'il est infidèle, pour qu'il devienne le monde de l'islam et qu'il reçoive la paix, puisqu'il se soumettra. C'est ça la. Comment vous dire Vous savez, euh, Islam, ça vient de. Euh, 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 comment dire C'est à la fois la soumission, soumission, ça veut dire soumission, exactement. et ça veut dire salam, euh, la, la paix, paix. Pardon, oui. Pourquoi c'est la même origine ben, Il faut bien comprendre parce que on a la, la paix, paix que si l'on se soumet à l'islam. Il y a une phrase de Mah Mahomet dit ça si vous vous soumettez, vous aurez la paix. Alors vous dites parfois que vous avez été élevé par des femmes et qu'elles vous ont, je cite, appris à être un homme. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme, Eric Zemmour hmm. Bonne question qui, est, qui est complètement aujourd'hui euh, politiquement incorrecte. Puisqu'aujourd'hui, on nous explique qu'être un homme, soit ça n'existe pas, soit euh, c'est nuisible. Donc, moi, je suis resté euh, à des choses simples. Euh, vous savez, je, je, quand j'étais enfant, euh, mes, les, les cousins de ma mère me racontaient qu'en euh, Algérie, ils se battaient pour protéger ma mère quand elle était euh, en danger, parce que, euh, paraît-il, elle était très jolie, et donc elle était euh, l'objet d'actes euh, de, de mini-agression, de, de, etc. Et pour moi, être un homme, c'est d'abord ça. Moi, j'ai été élevé comme ça. Il euh, y a aussi euh, le, le mythe, vous savez, français de la chevalerie, de l'amour courtois, euh, le, le seigneur au pied euh, euh, de sa dulcinée euh, qui se bat pour elle, qui porte euh, euh, les, les tendards, etc. J'ai toujours été fasciné par ça et qui correspondait. Donc pour moi, être un homme, c'est tout ça. Euh, Aujourd'hui, on a un, un vrai problème, c'est qu'on euh, a une idéologie euh, féministe qui ne se, qui ne défend pas les femmes, euh, qui ne défend même pas l'égalité, qui défend l'indifférenciation. Et, et, et quand on, on, on se bat contre l'indifférenciation, c'est-à-dire que on veut simplement dire qu'un homme est un homme et une femme une femme avec des qualités, des défauts, etc., et que après chacun nuance ça évidemment à sa façon, euh, on, 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 on nous fait passer pour un misogyne, un affreux macho, un affreux réac. Euh, euh, moi, je n'ai pas l'impression que, que ce soit le cas. Et au contraire, je pense que la plupart des femmes euh, pensent la même chose. Imaginez que je suis une femme et que je vous dise, moi, Eric Zemmour, je ne peux plus vous regarder dans vos émissions parce que vous êtes un misogyne. Qu'est-ce que vous me diriez pour me rassurer ben, C'est même pas pour vous rassurer, je, je ne tiens pas à vous rassurer. Je dirais simplement, euh, être misogyne, c'est ne pas aimer les femmes. Je, 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 je ne vois pas pourquoi. Euh, euh, Qu'est-ce qui, qu qui ferait dire que je suis misogyne Il y a d'ailleurs des, des, des misogynes flamboyants. Euh, euh, Jacques Brel était un misogyne flamboyant. Euh, ce n'est pas euh, ça, ça peut faire partie d'un folklore euh, ou d'une souffrance. Moi, ce n'est même pas le cas. Euh, je je, je n'ai absolument rien contre les femmes. Je vous dis, mon seul adversaire c'est ce féminisme indifférencialiste. Ce n'est pas différencialiste, c'est indifférencialiste. Et, et, et je pense que ce féminisme-là euh, est, est absolument euh, euh, criminel et, et, et dangereux euh, et totalitaire. Et maintenant, euh, enfin, il ne faut, faut pas se voiler la face, même si euh, les militantes féministes professionnelles passent leur temps à se voiler la face sans mauvais jeu de mots. Qu'est-ce qui met en danger aujourd'hui les femmes qu est -ce qui est, euh, ce que, quelle est le, la, 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 la religion qui les voile, qui les enferme, euh, qui leur interdit de porter des robes qui, euh, Quels sont les gens qui, euh, qui insultent des jeunes femmes euh, qui sont en robe Quels sont les gens qui crachent par terre euh, quand une jeune femme est, est habillée de façon euh, trop courte, enfin une, une jupe trop courte Je ne parle même pas des agressions, des insultes, euh, des viols, etc. Enfin, il faut arrêter. Je pense qu'aujourd'hui, euh, celui, l'homme qui défend le mieux et qui protège le mieux les femmes et qui, et qui, et qui est, est le moins misogyne du monde, euh, c'est celui qui justement se bat euh, contre l'immigration qui nous vient du sud de la Méditerranée, d'une civilisation qui enferme les femmes. Je vous ai dit tout à l'heure, euh, il y a une triple inégalité à l'origine de l'islam, qui définit l'islam. Une de ces trois inégalités, c'est entre les hommes et les femmes. C'est le contraire du christianisme, c'est le contraire de la phrase de Saint Paul. Vous savez, il n'y aura plus de juifs, il n'y aura plus de grecs, il n'y aura plus d'hommes, il n'y aura plus de femmes, il n'y aura plus d'hommes libres, il n'y aura plus d'esclaves, car tous seront rassemblés en Jésus-Christ. C'est la phrase de Saint Paul, qui est l'antithèse de l'islam, puisque l'islam dit exactement le contraire. Donc notre civilisation, et c'est pas pour rien qu'il y a cette promotion des femmes dès le Moyen Âge, dans les couvents, enfin je ne vais pas refaire Régine Pernoud, mais l'historienne a raison là-dessus, il n'y a pas besoin d'être féministe pour dire ça. Vous voyez, c'est simplement une différence de civilisation. Moi, je, je sais à quelle civilisation j'appartiens. Je sais d'ailleurs que mes ancêtres venaient d'une civilisation euh, où, euh, où c'était différent. Donc je sais d'où je viens et je sais où je vais. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'on est obligé euh, pour cela de se soumettre à tous les délires féministes. Et d'ailleurs vous remarquerez, et c'est le dernier paradoxe, c'est que toutes ces militantes qui voient derrière tout homme, dès qu'il est blanc, hétérosexuel et plus de 50 ans, euh, un violeur en puissance, la fameuse culture de viol. Alors là, quand euh, euh, l'agresseur ou le violeur est maghrébin ou africain, elles ont les yeux de chimène pour lui. Euh, c'est Caroline de Haas qui dit qu'il faut élargir les trottoirs euh, et euh, c'est euh, d'autres qui vont traiter de racistes euh, tous ceux qui vont se plaindre euh, de ces agressions et qui vont désigner les agresseurs. Enfin, Aujourd'hui, dans toute l'Europe, euh, dans toute l'Europe, il n'y a pas qu'en France, en Allemagne, en Suède, euh, dans tous les pays qui ont accueilli euh, par millions des migrants. Le, 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 les viols de jeunes femmes euh, blanches a explosé. Tout le monde le sait. Il y a des pays où les statistiques sont édifiantes. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, le premier danger pour les femmes, euh, ce n'est pas euh, euh, une, 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 une controverse euh, philosophique et idéologique sur ce qu'est le féminisme. Aujourd'hui, le premier danger pour les femmes, c'est pour leur vie, pour leur intégrité physique, et on sait d'où vient le danger. Je pense que euh, je suis au contraire, le contraire d'un misogyne, puisque je défends euh, l'intégrité de nos femmes, de, des femmes de notre euh, civilisation, à rester en vie, tout simplement. Je, 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 je ne vois pas euh, quel est le meilleur défenseur que moi. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous avez changé d'avis ces dernières années Et si oui, lesquels En découvrant un auteur ou simplement euh, percuté par la réalité Il y a des sujets euh, sur lesquels je change d'avis, ou sur lesquels en tout cas j'hésite. Euh, vous voyez, où je, où je réfléchis, où j'essaye je, de, de tester d'autres idées, d'essayer de, de me provoquer moi-même. Euh, il y a quelques semaines, par exemple, j'ai beaucoup euh, choqué euh, des gens en disant que... Euh, je, je, je m'interrogeais sur la légalisation du cannabis. Euh, vous voyez, parce que quand une, une situation ne me satisfait pas, j'essaye je, d'aller plus loin au-delà de ma propre, mes propres réflexes et mes propres pensées. Bon, euh, ça ne veut pas dire que, que je change d'avis, mais ça veut dire que j'essaye de réfléchir. Euh, il y a des auteurs qui, qui me font changer d'avis. Enfin, qui, qui Oui, par exemple, ma vision euh, de la Révolution française a radicalement changé depuis que j'ai lu euh, euh, Origine de la France contemporaine d'Autennes. Je ne vois plus la Révolution française de la même façon. Euh, j'ai je, 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 longtemps regardé ça à la manière de, de Furet. Moi, je suis un enfant de Furet. Les années 80, c'est ma jeunesse. Et donc, en gros, c'est le distinguo entre 1789 et 1793. Ce distinguo me, me, me satisfaisait comme beaucoup de gens. Euh, depuis que j'ai lu Ten, je ne je le vois plus du tout comme ça. Je pense effectivement que le 93 commence, comme il le dit, le 14 juillet 1789. Euh, que la terreur commence le 14 juillet 1789. Et ça change tout. Euh... Je pense effectivement, euh, avec Taine et avec euh, Tocqueville, que la Révolution française a euh, continué le travail de la monarchie, de centralisation, d'élimination des corps intermédiaires, etc. etc. Euh, J'ai une vision effectivement beaucoup plus conservatrice, euh, beaucoup plus, euh, vous voyez, Burke, euh, Taine euh, euh, et d'autres, euh, euh, une vision euh, progressiste de la Révolution française. Et ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas négligeable parce que euh, la Révolution française, non seulement est un événement évidemment majeur dans l'histoire de France, mais depuis deux siècles, on passe notre temps euh, à refaire la Révolution française. Donc chaque génération doit se positionner par rapport à la Révolution française. Et évidemment, je le fais, et je l'ai fait à 20 ans, et je ne le ferai pas de la même façon aujourd'hui. Mais même pour une question, alors là, ça fait longtemps que je n'ai pas changé de d'avis, vous allez me dire, mais par exemple pour la question de l'immigration et de l'islam. J'ai longtemps pensé euh, qu'il euh, n'y avait aucune raison euh, que euh, l'immigration euh, musulmane ne euh, s'assimile pas à la France euh, comme euh, les immigrations précédentes. J'ai pensé cela. Pour vous dire que ce n'est pas une question euh, ethnique ou, 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 ou raciale, si j'ose dire, si j'emploie ce mot, c'est euh, après tout, je venais de la même région qu'eux. Mes ancêtres les avaient côtoyés. Euh, mes ancêtres parlaient arabe euh, avec eux, ou le berbère. Donc vous voyez, donc je me disais, euh, le travail qu'ont fait mes parents et que je fais moi, il n'y a aucune raison, tout le monde peut le faire. Euh, j'ai basculé en 1989 avec la polémique du voile de Kraie. Les quatre jeunes filles, vous savez, qui se sont voilées, là j'ai compris, si vous voulez, d'où l'importance du voile, euh, j'ai compris qu'il y avait euh, le, que le chemin, on pouvait le faire dans un sens, c'est-à-dire le chemin de l'assimilation, mais on pouvait le faire aussi dans l'autre sens. Euh, C'est ce que le général de Gaulle appelait la, la francisation ou la défrancisation, vous savez. Euh, donc je pense que là, il y avait. C'est le point de départ de la défrancisation. Et, et depuis, nous avons, nous avons cessé euh, de, 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 le, de le parcourir à, grand, à, à grandes enjambées. Ça fait une quarantaine d'années que vous suivez la classe politique, que vous la connaissez, que vous la fréquentez, que vous l'interrogez. Une trentaine. Ne ah me oui. vieillissez <laughs> pas. Un peu plus, tant Non. De... Euh, C'est pas 35 84. 84. 86. Ah, je pensais 84. Non, non, 84. 85. Et on est un peu plus que 30. <rire> <rire> Mais donc, vous les connaissez, ces gens qui, qui ont dirigé la France. Mm -hmm. Très bien. Comment est-ce qu'elle a évolué, cette classe politique Qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui, avec le recul, le recul que vous avez euh, J'ai connu euh, la fin euh, des gaullistes historiques. C'est-à-dire que quand je suivais une réunion euh, du RPR. Euh, il y avait encore euh, Maurice Couve de Murville, euh, Michel Dobré, euh, vous voyez des gens comme ça. Alain Perfit. Euh, il y avait encore ces gens-là. C'est-à-dire les gens qui avaient côtoyé le général de Gaulle. Vraiment, c'était pas un mythe. Euh, j'ai très bien connu ça. Je m'en souviens très bien. Euh, j'ai connu euh, aussi, évidemment, euh, Valéry Giscard d'Estaing, euh, très bien aussi, car euh, euh, le premier parti que j'ai suivi euh, quand j'étais au quotidien de Paris, comme journaliste politique c'était l'UDF. Et donc, euh, j'ai Giscard d'Estaing, à partir de 1988, reprend l'UDF. Et donc, j'ai très bien connu Giscard d'Estaing, je l'ai vraiment côtoyé, comme j'ai très bien connu Jacques Chirac. Vous euh, voyez, et tous ces gens-là, je les ai très bien connus, comme euh, j'assistais aux réunions de l'UDF avec, euh, il y avait Raymond Barre, il y avait François Léotard, il y avait Alain Madelin, il y avait... Euh, il y avait euh, les réunions du RPR où il y avait Pierre Mazot, où il y avait, euh, vous voyez, des, des, des gens comme ça. Euh, Michel Debray, je m'en souviens très bien. Je vous dis Maurice Couve de Murville. Euh, Jacques chaban delmas euh, J'ai connu très bien Jacques chaban delmas à Bordeaux, etc. Euh, je dirais deux choses euh, très différentes euh, et et par rapport à la, aux générations d'aujourd'hui, j'ai très bien connu Nicolas Sarkozy, je l'ai connu euh, vraiment, on était jeune homme, jeunes hommes, si j'ose dire, tous les deux. Je, je l'ai vu euh, sauter de joie dans la rue euh, quand il avait appris le premier sondage qui donnait la victoire de la droite en 1993 euh, parce qu'il était sûr d'être ministre, puisque Édouard euh, Balladur euh, serait nommé premier ministre. Euh, je m'en souviens très bien. Euh, et euh, la différence, c'est très simple. Première chose, la connaissance intime de l'histoire. Les gens qui avaient connu la guerre, qui avaient connu la guerre, Seconde Guerre mondiale, même Mitterrand est, avait été né pendant la Première Guerre mondiale, euh, qui avaient connu la guerre d'Algérie, donc qui savaient que, selon la, la, la formule célèbre euh, de, euh, de Raymond Aron euh, pour Giscard, qui savaient que l'histoire était tragique. D'ailleurs, j'en je, 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 parlerai un autre un jour, mais je pense que Raymond Aron se trompait. Giscard savait que l'histoire était tragique, mais il pensait qu'elle ne le saurait plus, ce qui est une nuance, mais c'est une autre discussion. Euh, maintenant, euh, ça c'est la première chose. Évidemment, vous voyez bien que de partir de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, ils ont en commun de ne rien connaître de l'histoire, ni dans les livres, ni dans leur chair. Deuxièmement, la culture. Euh, je peux vous dire que euh, quand on discutait... Avec Giscard ou avec Perfitte, euh, ou même euh, avec euh, Balladur, euh, vous voyez, euh, avec des gens comme ça. Donc, euh, pas, la, pas la génération gaulli gaulliste. Il fallait connaître euh, certains livres, il fallait connaître euh, une histoire de France. Ils la connaissaient sur la boue des doigts, ils avaient lu des livres, euh, ils savaient ce que c'était que la littérature. On s'est moqué, par exemple, de Giscard, qui admirait mon passant et qui voulait écrire des romans. C'est vrai qu'il était un peu ridicule. Mais qu'est-ce que ça prouvait Ça prouvait qu'il lisait des livres. Tout bêtement. Et il lisait des romans. Il lisait Maupassant. François Hollande, il n'a pas lu une ligne de Maupassant. Peut-être Bruno Le Maire. Mais Bruno Le Maire, créé. mais d'ailleurs, vous avez vu, il fait tâche. Il fait tâche dans le paysage. Et il le sait très bien, il en joue. Et après tout, il a raison. Mais vous avez tout à fait raison, c'est le dernier. Donc moi, j'ai connu ça, ces deux éléments-là. Je pense que c'est essentiel. Alors maintenant. Euh, je dirais euh, euh, que les conséquences, qu'est-ce que c'est ben Les conséquences, c'est qu'ils ne comprennent rien à l'histoire qui est en train de se vivre. Tout simplement parce que ils n'ont pas, on parlait de Bainville dans, toute notre, dans le début de notre conversation, pourquoi Bainville prévoit ce qui va se passer dans les années 30 C'est parce qu'il connaît intimement l'histoire de l'Allemagne et de la France depuis mille ans. Et donc il sait que ça se répète. Et donc, qu'est-ce qui se passe Il va annoncer exactement tout ce qui arrive. Et il va gagner, si j'ose dire. Et là, là c'est le contraire. Comme ils ne connaissent rien du passé, ils ne savent pas que c'est en train de vivre. Ils ne connaissent pas, vous savez, la phrase euh, terrible euh, de, euh, de, euh, de René Girard dans H.V. Euh, Clausewitz, le, son dernier livre, qui dit, euh, il nous faut entrer dans une pensée du temps euh, où euh, la bataille de Poitiers et les croisades seront plus proches de nous que la Révolution française et l'industrialisation au Second Empire. Cette phrase, pour moi, détermine tout ce qui est en train de nous arriver. Mais nos politiques ne la connaissent pas et ne veulent pas la connaître parce que tout simplement ils ne veulent plus être dans l'histoire. C'est-à-dire qu'ils pensent que l'histoire n'est pas notre code. Vous savez, selon la phrase de Rabot de Saint-Étienne à la Révolution. Parmi les rares qui sont lucides qui voient la montée des périls, pourquoi est-ce qu'ils n'agissent pas Par, par l'acheter, tout simplement Oui. Par peur des médias, par peur de leur carrière, par peur... Vous savez, il euh, y a des gens qui ont, qui ont laissé leur carrière pour des choses anodines. Un Charles Millon, euh, euh, simplement pour avoir fait un accord avec le Front National en 98, au Régional, ce n'était pas non plus euh, le basculement de la France il y a, a perdu sa carrière. Donc, si vous voulez, ils ont peur de ça. Et puis, ils ont peur de, de, de la révolte, de la révolte euh, euh, des banlieues, euh, et donc euh, et, et d'une situation qu'ils savent euh, absolument euh, imprévisible et incontrôlable. Une, une question maintenant, On a, plusieurs commentaires nous ont demandé de vous la poser. Est-ce que vous êtes inquiet Il trouve que vous ne parlez pas beaucoup des libertés publiques, de la défense des libertés publiques. Et voilà, je vais vous poser la question face au Covid et plus généralement liberté d'expression, etc. Est-ce que vous êtes inquiet pour les libertés publiques et quelles seraient vos propositions pour les défendre Ils ont raison, ils ont raison. J'en parle pas assez. Euh, alors que euh, je le vis moi-même. On parlait de, tout à l'heure de. Euh, mais je, je vais vous dire. Je, je pense que nous vivons une époque très paradoxale. C'est-à-dire que c'est une époque qui euh, glorifie en permanence la liberté individuelle, qui a fait de l'individu un roi, et euh, qui en même temps organise une société pour qu'il y ait le moins de liberté possible, tout simplement parce que, inconsciemment, nos maîtres ont compris que la diversité interdisait la liberté c'est-à-dire que pour avoir la liberté de penser, pour avoir la liberté de réflexion, d'expression, il faut un corpus culturel commun. Il faut avoir les mêmes références pour pouvoir s'engueuler sur les références. À partir du je vais vous donner un exemple. Vous parliez de mon livre euh, la biographie de Bainville. J'ai découvert dans cette biographie que Bainville, donc historien de l'action française, était ami d'Aristide Briand. Chantre du pacifisme le naïf euh, j'ai découvert dans ce livre je l'ignorais que Maurras était ami de poincaré président de la république française et qu'il se voyait très souvent vous comprenez bien que ces gens-là étaient opposés sur le plan politique intellectuel idéologique mais qu'ils avaient lu les mêmes livres qu'ils avaient les mêmes références qu'ils comprenaient les mêmes choses et que donc euh, on pouvait avoir toute liberté pour s'exprimer, qu'on ne comprend plus aujourd'hui, même dans ses excès, même dans sa violence, parce qu'ils avaient les mêmes références. Quand euh, Léon Daudet, écrivain et élu de l'Action française, passait ses séances de la Chambre des députés à insulter Aristide Briand, il le traitait de tous les noms, avec une violence phénoménale, il le traitait de macro, parce que le pauvre Briand avait eu une histoire avec une prostituée quand il avait 18 ans. Vous voyez, on en rit aujourd'hui. Bon. Mais l'autre savait très bien les références de, 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 de Et quand il se voyait, il pouvait en rire. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, nous sommes exactement dans le sens inverse. C'est-à-dire que nous avons des gens qui viennent de cultures différentes, de civilisations différentes, avec une ignorance énorme de part et d'autre, d'ailleurs, de part et d'autre et qui ne réagissent plus qu'en réflexe identitaire. Euh, euh, on, 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 insulte, on, on, ne, on ne débat plus, on insulte son identité, on se sent insulté. Euh, moi, quand par exemple je critique l'islam, les musulmans se sentent insultés, je n'insulte personne. Quand on critiquait les, les, les communistes, quand on critiquait le communisme, les communistes ne se sentaient pas insultés. Ils étaient furieux contre celui qui critiquait le communisme, mais ils ne s'en étaient pas insultés. Et on ne disait pas à les pauvres communistes euh, qu'est-ce qu'on est dur avec le communisme Non. Communophobe. Donc, c'est donc ça la, la différence. Et donc, la loi organise l'absence de liberté. C'est le tout le sens de toutes nos lois sur les discriminations. La loi Pleven et puis toutes les lois qui ont suivi sur LGBT, sur toutes les, les soi-disant incitations à la haine, soit incitations à la discrimination. La première chose à faire pour restaurer des libertés publiques, c'est d'abolir toutes ces lois. La deuxième chose à faire, c'est d'empêcher de, les associations qui défendent ces minorités, parfois infinitésimales, de saisir la justice. Ils n'ont pas un intérêt à agir contrairement à... Vous savez, ça n'existait pas avant la loi Pléven de 72. Sous le général de Gaulle, ça n'existait pas. Sous la Troisième République, ça n'existait pas. Et pourtant, il n'y a pas de régime plus libéral, au sens propre du terme, qui respecte les libertés que la Troisième République. Ça n'existait pas. Il faut arrêter avec ça. Et pour restaurer la liberté, il faut supprimer les lois liberticides et en couper et priver de moyens ces associations qui instrumentalisent la justice pour faire taire leurs opposants. J'en sais quelque chose. Je suis. Harcelé par ces associations. Euh, euh, Ils me traînent au tribunal tous les trois mois. Euh, donc, euh, et il n'y a pas que moi. Euh, voilà, ça c'est la première chose à faire. Maintenant, il y a euh, une deuxième chose qui est Internet. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé euh, Nous avons vécu, et je dis au passé composé, je dirais même euh, nous vécûmes, parce que c'est fini, je pense, une période assez extraordinaire de quelques années où les réseaux sociaux ont permis de briser le monopole médiatique. Et un monopole médiatique qui, était, qui reposait sur une uniformisation idéologique. C'est-à-dire qu'à partir des années 80, je m'en souviens très bien, quand la gauche s'est convertie au libéralisme au nom de l'Europe, quand la droite gaulliste s'est convertie à l'Europe au nom du marché, ben, il n'y avait plus de différence. Et donc tous les médias sont devenus bien pensants. Et ça a été terrible pour la liberté d'expression. Et les réseaux sociaux ont permis de percer ce monopole. Je compare parfois cette histoire à l'histoire de l'imprimerie. C'est-à-dire que l'imprimerie, au XVe siècle, l'invention de l'imprimerie, vous savez, l'invention de l'imprimerie, ça permet quoi Ça permet d'imprimer la Bible. Et donc, ça permet aux, 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 aux chrétiens de lire la Bible. Ils n'ont plus besoin de passer par les prêtres pour savoir ce qu'il y a dans la Bible. Ça s'appelle le protestantisme. Je ne raconte rien. Hein, Victor Hugo le dit, Balzac le dit. L'imprimerie provoque le protestantisme. Et, et, et Balzac ajoute provoquera la Révolution française. Euh, voilà. Eh bien, je pense que les réseaux sociaux, c'est l'imprimerie de notre temps. Et que les prêtres, ce sont les journalistes. Et que les prêtres sont furieux d'avoir perdu leur monopole. Et que donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On est en train de casser les presses à imprimerie. Il ne faut plus qu'il y ait la liberté d'imprimer. Et donc, on, on, on dit que pour régler l'incitation à la haine, euh, euh, et ben, on va verrouiller Internet. On va verrouiller les réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas en train de faire l'apologie de, de, des réseaux sociaux. Vous comprenez ce que je veux dire. Il y a évidemment à boire et à manger. Mais exactement comme l'imprimerie euh, auparavant. Tous les libelles ont trouvé ça scandaleux. Ben, C'est la même chose. Euh, donc, voilà ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'en en 2021, en janvier 2021, euh, le fait que Twitter a fermé le compte de Donald Trump est une date historique. C'est-à-dire que là, euh, on, a, on a dit fin du match. Là, ça y est, c'est fini. La liberté sur les réseaux sociaux, c'est terminé. Pour moi, depuis janvier 2021. Et ça va être. Je ne sais pas ce qui va se passer pour la présidentielle française. Ils vont tenter, il y aura une alliance entre le pouvoir macronien et les médias euh, et, 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 et tous les esprits bien-pensants pour verrouiller Internet. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Il y a déjà eu la loi Avia euh, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Euh, et, et, mais ils vont retenter. Ils vont. Ça ne va pas arrêter, ils vont prendre tous les prétextes. J'ai vu que lorsque le pauvre Samuel Paty a été égorgé par le Tchétchène, euh, qu'est-ce qu'on a dit On n'a pas dit euh, c'est l'immigration, on n'a pas dit c'est l'islam, on n'a pas dit. Euh, non, on a dit c'est les réseaux sociaux. C'est extraordinaire. C'est la fameuse phrase sur euh, euh, l'idiot qui euh, bon, monte le la lune et l'autre qui regarde le doigt. Le doigt, bon, c'est un classique. Je reviens à la présidentielle très rapidement. Quelles sont les forces et les faiblesses, à votre avis, de, des deux personnalités politiques les plus en vue aujourd'hui, Marine Le Pen et Emmanuel Macron bah, Les forces, la, leur force et leur faiblesse, c'est-à-dire leur force, c'est-à-dire que euh, leur force, c'est qu'ils sont complices. L'un a besoin de l'autre, l'autre a besoin de l'un. Euh, et donc ils ont une euh, complicité objective et subjective, c'est-à-dire que chacun se sert de l'autre pour euh, écraser le reste. Et c'est leur faiblesse, parce que de plus en plus Emmanuel Macron parle comme Marine Le Pen, et Marine Le Pen parle comme Emmanuel Macron. Ils sont déjà dans un combat de second tour. Ils ont oublié que euh, dans la 5 République, c'est d'abord le premier tour qui détermine. Euh, on, a do on a des exemples fameux hein. Jospin en 2001, euh, Balladur en 1994. On sait comment tout cela a fini. Alors, certains murmurent que vous pourriez penser à une candidature pour cette présidentielle. Je ne vais pas vous poser la question, ça n'a aucun sens euh, au mois de juin. Mais euh, est-ce que vous pensez Parce qu'on vous voit souvent dans, dans, dans une attitude de sonneur de tocsin. Euh, mais plus rarement dans une attitude de proposition. Est-ce que vous, vous pourriez vous imaginer dans, 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 cette, dans cette nouvelle peau bah Je n'ai pas de difficulté à m'imaginer puisque je le fais déjà. C'est-à-dire que euh, depuis des mois, depuis que je suis euh, tous les soirs à CNews, euh, c'est la logique de l'émission et c'est la logique euh, de, de, de mon analyse. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, quand vous analysez une fois euh, tous les deux ans, dans un livre ou une fois tous les trois mois dans une émission de télévision, on n'a pas le temps de vous demander, bon, alors qu'est-ce que vous faites Quand vous faites ça tous les soirs, évidemment qu'on finit par vous dire, bon, alors, mais alors qu'est-ce que vous proposez Donc, euh, tout simplement, c'est au-delà de, de, de toute arrière-pensée. Bon. Donc, euh, donc, effectivement, je, je, euh, je, je fais de plus en plus de propositions, je pense de plus en plus à, à, à comment... Euh, comment mettre en application ce que je dis. Je pense tout simplement que, si vous voulez, je continue de penser que ce qui manque à notre classe politique, c'est le diagnostic. Ils font des propositions dans le vide. Ils ne, ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. De Marine Le Pen à Emmanuel Macron, ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ils, vont, ils ont tous maintenant compris que la sécurité allait être au centre. De la présidentielle. Donc, ils font tous des propositions sur la sécurité. Très bien. Mais le sujet, ce n'est pas la sécurité. Ce n'est pas ça le sujet. Le, la sécurité est un problème parce que nous vivons un changement de, de peuple et une guerre de civilisation sur notre sol. Donc, il faut traiter en amont. Ce n'est pas en mettant plus de policiers que les policiers vont résoudre la guerre de civilisation qui se mène sur notre sol. Si vous ne voulez pas l'admettre ou si vous ne le comprenez pas, eh ben, euh, vous, vous mettez des, vous, vous mettez des, coup, des coups d'épée dans l'eau. Tout est comme ça. Et, et, si et je pense que moi, j'étais l'inverse. C'est-à-dire que je, posais le, je pose le bon diagnostic et que je, je ne faisais pas la suite, tout simplement parce que je me disais, naïf que j'étais, si je pose le bon diagnostic, eh ben, il y a des politiques professionnelles qui vont s'emparer de ce diagnostic et qui vont mettre en œuvre et qui vont trouver des, 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 des mesures adaptées à ce diagnostic. Mais. Je, je, je dois avouer, mais ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, euh, ça fait 5 ans, le suicide français à 2014, vous voyez, tous mes livres commencent à dater, et je ne vois pas de politique qui, qui, qui mette en œuvre cela. Donc, euh, du coup, je, bah, je, je réfléchis à la suite, et je réfléchis à, 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 aux mesures éventuelles qu'on pourrait prendre à partir de mon diagnostic. Alors, vous qui êtes journaliste, comment Emmanuel Macron s'y prend-il pour museler la presse, si c'est le cas hein, mais... Est-ce qu'il a des leviers Est-ce que vraiment un président de la République peut faire taire ou changer une ligne éditoriale Je. Museler, c'est un grand mot. Euh, je pense qu'il a effectivement, on a beaucoup dit, euh, euh, la fameuse euh, femme qui euh, tenait euh, les, la presse people, etc. Je n'en sais rien, peut-être que c'est vrai. Mimi Et Marchand. là, effectivement. Comment Mimi Marchand. Euh, la fameuse Mimi Marchand. Mais c'était pour la presse people. C'était donc pour la vie privée, pour tout ça. Pour le reste de la presse et pour les sujets plus sérieux, plus politiques, je ne crois pas qu'il muselle la presse. Je crois qu'il n'a pas besoin. Euh, je pense que. Euh, c'est de l'autocensure La presse, avant tout. Non, c'est pas l'autocensure. La presse est à 80% macronienne. Mais elle l'était avant Macron. Qu'est-ce que c'est Macron C'est l'héritage de Dominique strauss -Kahn. Qu'est-ce que c'est Dominique Strauss-Kahn C'est l'héritage de Michel Rocard. Euh, et qu'est-ce que c'est les médias depuis 40 ans Ils sont Rocardiens, ils ont été strauss donc ils sont macroniens. Ils ne sont pas macroniens parce que c'est Macron ils sont macroniens parce que Macron est, euh, vous savez, et euh, est, est conforme à leur idéologie. Euh, je, je, je taquine souvent Alain Duhamel, que j'aime bien. Euh, malgré nos désaccords, parce que c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, nous avons lu les mêmes livres et, et donc on peut, on peut, on peut, euh, on, on peut euh, s'accrocher euh, en, en connaissance de cause. Mais euh, Alain Duhamel, c'est pas Alain Duhamel qui va au pouvoir, c'est le pouvoir qui vient à Alain Duhamel. C'est Mitterrand qui s'est duhamelisé. En fait, il s'est Giscardisé, euh, C'est Chirac qui s'est duhamelisé. En fait, il s'est mitterrandisé, qu'il s'était lui-même giscardisé. Euh, vous voyez, c'est Sarkozy qui s'est dû à euh, mais parce que il sait... Enfin, etc., etc., vous avez compris. C'est tout. Donc euh, les médias euh, suivent leur ligne. Et il s'avère que euh, c'est la ligne du président de la République. Bien sûr, il faudrait nuancer ce que je viens de dire, mais... Le, la, la, la grande ligne, c'est ça. Vous pensez qu'Édouard Philippe rapidement pourrait être le remplaçant après le rocardisme, le trotskanisme, le macronisme. Mais Édouard Philippe, si je me souviens bien, euh, a commencé dans sa jeunesse. Il était rocardien. Et d'ailleurs, Jean-François Copé aussi. Alors un peu de légèreté. Quelles sont les régions de France que vous préférez Très vite. Oh alors là, euh, quelles sont les régions Alors la Touraine. Euh, je suis fasciné par la Touraine. <laughs> euh, le, 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 évidemment, la Provence. Euh, et je, ce que je connais moins bien, mais qui me plaît bien, c'est... Euh, le pays basque, le sud-ouest, etc. Mais je connais moins mythique. bien, donc euh, j'ai besoin d'approfondir ma, ma connaissance de ça. Vous avez de la en chance bien je connais. Encore bien le connaître. Voilà, exactement. En, en revanche, les deux, les deux précédentes, je connais très bien. Autre question un peu légère, mais que, quelle est la fête en France parmi tous les jours ferrés qui vous émeut le plus, à laquelle vous êtes le plus attaché Noël. Euh, quelle est la chose la plus émouvante qu'on ait pu vous dire, que ce soit au fil de ces news, les gens que vous avez rencontrés, ou tout simplement dans la rue ou dans vos visites à la campagne, des gens qui, vous ont, qui ont été vous parler Qu'est-ce qui vous a le plus touché beaucoup de, beaucoup de jeunes qui m'ont dit, euh, euh, grâce à vous, euh, je me suis mis à lire euh, tel, tel auteur, tel auteur. D'autres gens qui m'ont dit, euh, j'ai compris ce qui s'était passé en France euh, grâce à vous. Euh, vous me donnez de l'espoir pour l'avenir. Euh, c'est paradoxal, hein mais beaucoup de gens me disent ça. Et j'avoue que ça m'émeut beaucoup. Euh, alors, euh, sur un plan personnel, euh, une fois, une dame est venue me dire euh, J'ai vécu en Algérie dans le même immeuble que votre mère. Ah, c'est émouvant. Ah! Et elle se souvenait de... Très bien, très bien, elle m'a raconté. <laughs> C'était sidérant, j'avais moi-même pas connu parce que je, je, je ne suis pas né en Algérie et que, et que je n'ai pas... Je n'ai jamais mis les pieds en Algérie. Elle était assez émouvante, cette vieille dame. Alors, je vous donne l'occasion pour, pour terminer cet entretien parce que malheureusement, il y a une fin. Tout on, fin. On, on approche <laughs> des, des une heure et demie. Donc, euh, justement, vous, vous, vous avez parfois des discours très apocalyptiques. Je pense à la, à la conclusion... Euh, de, du suicide français, pas le destin français qui est là, mais du suicide français. Je pense également à la tonalité de, la, de votre discours là, à l'occasion de la Convention de la droite. Et euh, j'aimerais que vous puissiez dire à ceux qui nous écoutent euh, quelque chose qui, euh, finalement, comme disait Sioran, euh, démentisse l'avenir. Il disait espérer, c'est démentir l'avenir. Voilà, Est-ce que justement, pour changer de ce ton que vous, avez, vous pouvez avoir parfois, euh, nous dire. Euh, avant mais de vous savez, de, euh, je, crois que, je crois, il faudrait vérifier, mais je crois qu'Apocalypse euh, vient du grec euh, révéler la vérité. C'est vrai, c'est révélation. Voilà. Donc, euh, je pense qu'apocalyptique, ça ne veut pas dire sinistre. Ça veut dire voilà la vérité. Et je ne pense que euh, l'on ne peut, euh, l'on ne peut euh, se, se, se défendre, qu'on ne peut combattre, que qu'on qu qu ne peut euh, que si l'on connaît. Nos ennemis que si l'on connaît euh, les dangers qui nous guettent. Euh, le général de Gaulle, il ne dit pas euh, on n'a pas perdu la bataille. Il dit on a perdu une bataille mais on n'a pas perdu la guerre. Et ben je dis exactement la même chose. Les autres disent il n'y a pas de bataille et on est en train de la gagner. Moi je dis on a perdu une bataille mais si on veut gagner la guerre il faut vraiment se battre. Je, je trouve que ça n'a rien de, de défaitiste, ça n'a rien de pessimiste, c'est au contraire très optimiste. Mais un optimisme pas idiot, un optimisme, euh, si vous voulez, qui est fondé sur les réalités. Quand le général de Gaulle, pour reprendre encore ma comparaison, quand il dit euh, Nous ne sommes pas seuls, euh, la guerre va devenir mondiale, vous euh, voyez, et euh, eh bien, qu'est-ce qu'il fait Il dit On a perdu, on a pris une raclée, mais le combat peut continuer. Si, si, on fait certaines choses, et eh bien, moi, je dis la même chose. Voilà. Euh, je dis, on a déjà perdu beaucoup de batailles, mais on n'a pas perdu la guerre. Pour cela, euh, il faut vraiment euh, comprendre pourquoi on a perdu ces batailles passées et, et comment on peut gagner la guerre. C'est ça que j'essaye tout simplement de définir. Et vous pensez que les Français ont encore euh, l'envie de se battre C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu. Vous savez, euh, euh, je crois qu'il y a une. Pour, pour prolonger la, la comparaison avec le général de Gaulle, je ne me compare pas au général de Gaulle, hein, je ne suis pas devenu. Euh, Complètement fou. Euh, mais il a une formule qui dit euh, euh, il n'y a, a pas de défaite, il n'y a pas euh, de renoncement, il n'y a qu'une seule chose, c'est un peuple euh, qui renonce à se battre et qui se couche pour mourir. Voilà. Je pense que si le peuple français euh, ne veut pas se coucher pour mourir, euh, il doit euh, se battre et, et, et se battre pour sauver son identité, sa civilisation. Euh, et, et ça, ça veut dire regarder en face. Les dangers mortels qui les menacent. Eh bien, merci Eric Zemmour. Merci, merci à pour vous. cet entretien très dense. Euh, on va vous offrir un petit cadeau. C'est un buste de l'empereur Napoléon Ier. Alors là, euh, il est offert par l'atelier Missor. On avait reçu ici barbares civilisés qui travaille avec eux. Donc voilà, ils avaient, ils avaient tenu à vous offrir euh, ben, ce buste. Vous remercier beaucoup de ma part. Bien sûr, on leur transmettra. Puis on vous verrez euh, plus tard dans les images ce très beau buste qui apparaîtra. Et puis, nous venons de lancer un site internet de www.livrenoir.fr. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, continuez à vous abonner, à nous recommander auprès de vos proches. Et puis, euh, vous allez voir passer une campagne de levée de fonds parce qu'on a des nouveaux formats à venir, en particulier des documentaires, et en particulier un documentaire qui aura pour thème l'immigration. Donc, si vous voulez qu'on continue le beau travail qu'on a commencé, eh n'hésitez pas à nous soutenir. Et puis, n'oubliez pas, nous sommes en podcast. Et à vous tous surtout, un très très bon dimanche. Livre Noir, c'est votre média une formule élégante, qui en trois mois, grâce à votre soutien, a diffusé près d'une trentaine de portraits intimes et originaux, et cela sans autre moyen que notre passion. Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape en lançant une Web TV. Pourquoi Pour être la grande peur des bien pensants, pour continuer notre travail en cas de censure YouTube, et pour vous offrir d'autres formats inédits, documentaires, débats, reportages. Alors si vous appréciez Livre Noir, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site et à nous envoyer vos dons. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà.